Comment est le crew? Comment ça va aujourd'hui, mercredi? Aujourd'hui, c'est le live Retro Gaming avec le légendaire Virgil. Comment il est, Virgil? Alors, les amis, donc, comme tous les mercredis, live Retro Gaming aujourd'hui sur Tortue Ninja. Donc, c'est un jeu que je n'ai pas joué durant mon enfance. Et il y a tellement de Tortue Ninja qui est sorti que moi je me perds. Donc écoutez, on va tester ça dès que ça marche. Alors, bon poula. Attends, attends. On a l'écran du menu là. Non, le train est pas dans quoi. Bug encore? T'es Bah, il est censé pareil, gars, c'est le même truc. Ah, c'est pas le même jeu, hein? C'est le même jeu, gars, c'est juste que la version est différente et les bonnes Ben, features dedans le les... premier pas pareil. stage, il ressemble pas du tout au premier stage du mode arcade, hein. Oui, mais comme Adzo, c'est les versions qui changent. La version arcade a son propre train. La version console a son propre train. Ok. La version IPS Tone, en fin de compte, là. C'est le jeu arcade, Eh ben moi aussi faut mais une il règle. était sur Mega Drive. Ah Le moi malheur aussi. a changé. Ah moi aussi faut une règle, on dirait mon bon bouton l'est pas réglé. C'était juste Après, continuer pour vous nous mettre jouons à le deux, oublie jeu. pas le plus dur, hein. Donc nous à deux, donc peut-être sera plus dur. Bon. Regarde Au ce moins que ça, j'ai. là il Voilà. marche. Ouais, ça là il marche, l'autre marche pas. Le problème radio comme d'habitude. Bon, Donaté, c'est Donaté le map là. Bah, c'est le mauvais, donc si vous la prenez le mauvais, Bon oui. alors là on joue la version sur Mega Drive. Il kiffe tellement, je l'ai, c'est incroyable. C'était ma mettre arcade game en image alors que c'est pas ça du tout en train de jouer. Ouais, Pas j'avoue. grave. C'est pas grave. Shredder. Shredder en fin de compte dans le dessin animé comme tu regardes comme Tamarama là. Il a jamais vraiment Il a jamais vraiment tiens combat CIA en fait. Ouais, pas vraiment. Alors que normalement Le ils gars n'a sont. jamais vraiment affronté le bon tour, tué à 100%. C'est ça, Jamais de la alors que vie. normalement ils sont cette fois. Hein. Mais il fait exprès ça, mais qu'on pense. Bah, fait que je le a fait sinon. Ou bien courir. Hein. Ah ouais, courir c'est le bouton C. Ok. Ouais, tiens, le bouton. Bon après il n'y a pas trop de combos dedans donc. Ouais, c'est juste un beat'em all, n'a pas combo du tout. Hein. Tout de suite. Ah oui, là ils volent dans ta C'est juste tape. purement pour le fun, non, en fait. Là faudra juste bien esquiver les boss. Alors, Ah, c'est ça va pas, sort. mais il connaît mon passe-par à cœur. Je la sorte en. Est-ce que t'es né déjà quand le jeu la sort au team que pas? Mais je crois que c'est plus de 91, je n'ai pas Ouais. su. Le dernier Tortue Ninja m'a joué, moi, c'était sur Xbox 360. Et t'es joué aussi à plusieurs Tortue Ninja. Putain, ouais, le Tortue Ninja 3D, moi j'ai jamais joué Ah, elle la était Fear belle, Shadow, hein? je crois que. Elle était belle, celle que tu. Mais Micro la sorte aussi dessus. La sorte sur plein de Sur consoles. Steam. La sorte sur plein de consoles, Je crois Tortue même que Ninja. sur Steam, il n'est pas sûr. Oui, mais le truc sur PS3 m'a pas pris en fait. C'est quoi ça, un bon robot? Enfin, m'a pas pris, avec moi l'argent pour prendre plutôt, Putain, c'est ça. mais elle a fait barre vite. Ah, là, ça. Bon, dommage, j'ai pas batatier contre cette frais, tu vois. Si, si, t'as appelé. Il Ou bien gagne? attrape Il faut le bon ninja. collecter banane, c'est tout. Ouais, quoi, avec banane, trois banane. Putain, mais elle donne quoi, avec la coque? Bon. Par contre, comme ils ont souligné, Ah, gars. on a deux coups de pied, on a deux coups de pied quoi. Bon, le bon coup, on a pas abusé, mais bon. Ah, Ça, après, là, tu vois, fais pas mal, donc je là là. où t'es, là t'es. Donc, vous Mais veut dire, non, parce mais. que Donc, vous là, veut. elle a vraiment bien refait le train car à tout en fait dans le jeu. Donc, vous veut dire, moi, Les que trucs, la c'est rendu version fou. arcade que nous l'a essayé de lancer, qu'elle a pas marché. C'est la version arcade, c'est la version originale, je pense. C'est Et exactement le voilà même comment elle a la style. sorte le jeu sur Mega Drive, la sorte cette version-là, IPS Tone. Et ce Super Nintendo, la sorte de la version Turtle Time. Et c'est exactement les mêmes sprites? Les personnages, c'est les mêmes trucs en effet? Les mêmes. Et les mêmes sprites, les mêmes Ah ouais. ennemis, il est incroyable. Donc c'est le même Surtout par jeu. exemple, là, celui-là, IPS Tone et Turtle Time, c'est le même Oh sprite. t'es, comment il fait ça? Et alors, on t'apprend. Comment il batate Goma? Le pire en fait, va donner ce Super Nintendo, get up les gars, vous revoyez sur l'écran. Mais il n'a Ça pas fait ça. franchement, la coupe est Comment il vraiment n'a pas fait ça, moi, batate Goma? Ou avant sur le gars en tapant et au bout d'un moment il va te Ah, rappeler. ok. Batater main. On va Bon. pas prendre le bon là, on a promis Michelangelo. Et tu veux pas prendre Donatello? Il m'a trompé. M'a confondu les noms aussi, ouais. Rien déconner, pourtant on a la couleur, regarde, regarde la Ouais, couleur. mais à même de base, il a du mal à peu près les noms, donc. Oh. Hé, hey, il a fait pète le Allez. affaire.
Bah oui, gars. La pas chance, la pas chance. Ouais, les chats noirs. Bon, ça va. À forme. Alors, est-ce que tu peux nous dire si le son de ma voix et le son du jeu est correct? Parce qu'on a du mal à savoir là. Sachant que ça vient de bugger ou à nous. Chat noir qui est un streamer de Fortnite et de GTA. Qui a 1000 followers. Correct, ok, merci Dallon. Alors. Ah, c'est un petit Orochi Ninja. Et. Mais regarde, elle a mis son. T'es comment il bat ta tête comme ça? Mais sans que. Avance, le gars tape en même temps, au bout d'un moment il a fait. Il fait ça, il va y écouter. Koudou Njaku, ok, bah écoutez, bouge des boutons. Bah oui. On entend bien le jeu, à l'aise, mais si. Alors, Casta stream un petit peu là, Casta fait un petit peu ce temps-ci là, Chanan. Oh putain de merde. Ah, il échappe d'un trou. C'est Mazo le jeu, les comiques, gars. Attrape la vie, on a moins la vie que moi. En voyant. Chanois, t'es ma guignazelle. Merci pour le host Chanois, ça fait plaisir. Chanois, en plus faudrait. Mikuni le jeu pas à queue, donc ça pas Zo, qu'on a un piège. Ouais, j'avoue. Ce serait très con. Ça explose, ça, c'est mis battu. Ah, même pas. T'es ouais, quoi sérieux? Mazo, Mikuni ouais. Le jeu pas à queue. D'ailleurs, comme m'avait dit Ali, Chanois, faudrait nous faire une petite vidéo, un petit truc avec, parce que. On okay, est bien sympa. Et bon, on met ça en place. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, Mal a fait une mise à jour du Discord. Mal a effacé un peu les salons inutiles. Et Mal a rajouté des salons un peu à la Radio Freedom. On va mettre 4 sujets. Le premier, c'est les Battle Royale et les cheaters. Le deuxième, c'est PS5 contre Xbox 360. Ah, machin dans le trou. Le troisième. Marron chapé. Le troisième. Bah, les couillons en fait, parce qu'il faut que nous soyons dedans. Le troisième sujet, c'était. C'était quoi que je me rappelle, attends. C'était les jeux dématérialisés et les jeux en boîte. Et je crois que c'est tout. Ah oui, et l'e-sport à La Réunion. Donc si vous êtes venu mettre NT l'avis dans le sujet, et ben je vous invite à venir dans le Discord de mettre votre avis dedans. Parce que ça crée du lien. Ça crée du lien social. Ça permet de discuter avec la communauté et ça rapproche un peu les joueurs de La Réunion. Après, on a eu aussi une autre idée, donc peut-être que ça va intéresser Chat Noir, puisqu'il est sur PC. Moi qui n'ai jamais fait de prop hunt avec Garry's Mod, j'ai vu cette vidéo sur une vidéo de Squeezie, j'avais vu ça il y a longtemps. Et les gars, je kifferais bien faire un prop hunt en mode 974. Donc s'il y a des partants, on pourrait être à 4-5 joueurs et faire un prop hunt en mode 974 en live et tout. C'est quoi ça? C'est la bonne alien. C'est bonne morue, c'est quoi? C'est bonne alien, gars! C'est bonne alien! Ma couverture n'a pas un nouveau téléphone, mais l'ancien a lâché hier soir. Donc, quel téléphone la prend? T'es belle et chiant, tape ça! Ouais. Non, faut sauter, taper. Est-ce mais que tu es plus iPhone ou est-ce que tu es plus Apple? Est-ce que tu es. On a une phrase à faire rire, moi, c'était. Moi, je suis un bon chrétien, je ne croque pas dans la pomme, donc pas d'Apple quoi, moi. J'ai bien aimé cette phrase. C'était poétique. Alors, il a pris un S10. Ah, Galaxy, Samsung, c'est bien à ça. Moi, avant, j'étais fan des Galaxy, mais il arrive à moi un truc, un jour, mon téléphone la pète tellement au chien que je ne l'ai plus jamais acheté. Outi ! Là, je m'en rends mal. Ma crocodile, c'est un fond, c'est un bug, ça. Mais c'est le cruise normal. Regarde, le gars n'est un maillot. Donc, chat noir, si ça te. Et ma PN. Si ça te dit le prop hunt aussi. Si tu as le jeu Garry's Mod, si t'as envie de. C'est putain, mais chiant! Non, il est facile, gars. Beaucoup de deal. En plus c'est pas un version arcade donc si nous crève là. Oh oui, je t'appelle. Vous pouvez taper 4 fois en fait. Voilà. Faut taper 4 fois. Ouais, 4 fois après l'Ilia son train là. C'est pour ça qu'on fait une compte voir ma sauter. Des combos. Dans la tête ça. Dans la tête moi bon, dis. Mais je n'ai pas comment là. Ah là, paix la vie, t'es trop la vie, moi là. Voilà. Fini?
Il est facile, bah ça. Ça c'est son max, c'est son max. Ouais mais où l'a fini le jeu, on m'a mis des coups. C'est pareil. Ah ouais, faut finir un jeu là, il est facile, c'est pas quand c'est un jeu fini pas là, on classe pas quand même, écoute le pro dans la tête. Comme tu veux, tu es bossé, tu continues varié et Retro Gaming ne nous met pas en concurrence. Ah non mais c'est pas du Retro Gaming le Prop Hunt hein. Prop Hunt c'est pas Oh non, c'est un skateboard de merde. Le Prop Hunt c'est pas Retro Gaming Chat Noir hein. Et moi j'ai suis en concurrence avec personne en tout cas. Moi je joue de tout. Ouais. Ben, regarde là, ils vont skateboard des merdes, frère. Oh putain, merde. Alors, le prop 1 pour ce qui est de ça. Ahmed, fais mal. Le prop 1 pour ceux qui savent pas. En fait, c'est un mode où tu. Alors, il y a un chasseur. Donc il doit trouver les autres, et en fait tous les autres joueurs, ils peuvent se transformer en n'importe quel objet. Et c'est assez marrant. Donc franchement je kifferais jouer ça avec des jeux à la Réunion. J'ai jamais joué au jeu, hein, mais ça serait puissant. Putain mais là nous en mode de... Bon après il est assez varié, il est chouette. Il est en mode boule. Oh, ça m'arrive, ben il n'y arrive pas. Ah c'est des vagues en fait, ok. Bateau pirate, c'est parti. Hop là. D'ailleurs, peut-être ce samedi, il sera peut-être disponible. Donc, peut-être samedi soir ou vendredi soir. Je vais baiser un gros live sur un jeu. Parce que les rares, mes lives le soir. Comme dit le soir, c'est 8h jusqu'à minuit, comme ça. Donc, on verra ce qu'on va faire. Tout ça là, c'est bonne, amis, je crédit, même ça. Ouais, bah c'est bonne Ninja Foot. Comment il est Cruz Castillo, voilà, Caillou est arrivé là. Caillou ça va. Le maître du rétro gaming. Le maître du rétro gaming. L'annulé en mode Touch Ninja là. Putain, merde, putain, le piège, je fais chier. Je vois pas du coup ne joue pas à cœur. Je vois pas du coup. Bah oui, vas-y, non mais ça m'a oublié. En fait, comme qui mettait pas de l'orange, en fait, comment courir. On connaît pas le jeu par cœur, attention. Viens, le boss. Viens, le boss, frère, sympa. Monte en lien. Ouais. La arme train est à croix, là. C'est quoi ça? On voit pas? C'est la bonne plongée. Ah ouais, putain. Ah, le pire, coupé de ligne, il a même zoppé de ligne, genre. D'ailleurs, chat noir, d'ailleurs, j'ai fait une expérience il y a pas longtemps. C'était hier en plus. J'ai essayé de jouer à GTA 5 sur PC, mais en VR. Ça m'a tué, gars, ça m'a tué. J'ai failli même avoir la nausée sur. Ah, ouais, bah Epic Game Store m'a donné gratuitement, donc j'ai pris. Bah, j'ai pris. T'es bizarre, c'est ou bien je suis spécial, oui, mais bien joué, cool. Oui, mais à la base. Attends, à la base, moi, j'avais commencé sur PS4 pour Jack Shoes et Tonton. Donc, mais là, déjà, pour attirer Ekbana. Ou personnage est sauvegardé sur le cloud de Rockstar, ou peut prendre personnage. Arrête. Oui, gars! Vous veux dire, il m'a fait PS3 jusqu'à PS4 et PS4 sur PC, gars. Donc, vous veux dire, ma simulation. Disons, oui. Attends, donc si je joue avec bon gars sur PS4, t'es coiffé donc, va de l'iprane. Si je joue avec bon gars sur PS4 et que me relance mon parti sur PC, mon personnage GTA il est toujours là, c'est le même. Ou en fait, c'est le personnage est sauvegardé. Et l'argent, tout ceci avec. Oui, ben oui, gars. Putain, mais peut-être que pas ça, même. Ça peut recommencer le personnage niveau 0 alors que nous avions un personnage 73 sur. Parce que à la base, là, je forme mal à mettre le jeu avec le mode VR. Mais le blème, c'est que. Enfin, moi, elle est chouette, hein. Être dans le jeu, elle est géniale. Mais. D'un bon passage, je suis moto, gars, il donne la nausée, frère. Parce que c'est un mode, c'est pas un truc officiel. Il est pas adapté pour la VR, en fait. Et. Il fatigue. Donc, soit ce que m'y fait, soit mon tatisseur et m'y continue. C'est-à-dire que m'y essaye quand même fait 2-3 modes VR. Ou soit m'y change de mode. Ah, bah non. Mais non, faut pas mettre de mode. Pour jouer online, il va mettre des modes, non. Oh putain. Quand on joue en mode online, on peut pas mettre des modes. Ouais. Normalement, bah, il va banner en fin de compte. Ben, mieux remettre un autre. Ban les moteurs. Eh ben, c'est intéressant ça. Ben, franchement, je réfléchis. Hein. Parce qu'à moi, en fait, il fait GTA avec Banga. En général, soit le mardi, soit le lundi. Ou soit le jeudi, deux fois par semaine, en fait. Et ben. Si NC4, je sais pas, man, un souci ou bien la fait, ben au moins tu peux jouer avec Zot.
Et du coup, on pourra aussi jouer avec Chat Noir, parce que Chat Noir est bien avancé dedans en GTA en plus. Je vais regarder ça. Parce qu'en plus, moi, la demande le Banga et Banga l'a dit comme que. En fait, c'est, là, c'est plus l'argent et compte. Donc, si je joue avec d'autres monnaies, je ne comprends rien. Ben, en fait, là, d'habitude, quand nous jouons Banjo Cop, nous essayons toujours de jouer en même temps. Comme ça, on n'a point ni bas plus que l'autre, en fait. Mais GTA Online est différent parce que les missions, on peut faire avec. C'est juste l'argent, il change, il fait qu'on n'a plus de statut. Donc, ben écoute, ben, peut-être venez jouer avec d'autres spéciaux aussi, alors, les gars. Si vous êtes jamais le même perso. Ben oui. Si. Totalement. Chose que je ne savais pas. Parce que, en fin de compte, là, reprendre le jeu sur PS3. Comment pas sur PS4, m'achète encore GTA 5 et m'a dit reprendre mon personnage. Ah ouais, depuis PS3. Et après, comme on a revenu sur PC là, n'a pas longtemps, m'a dit reprendre mon personnage PS4. T'es, vous êtes blindé. Vous êtes blindé sur GTA Online alors, non? Non, du tout. Si vous jouez depuis. Mais si vous jouez depuis. Ah, je fais Minecraft, c'est tellement cher que depuis. Ouais, mais là. Je fais pas tout le temps, il y a un moment arrêté en fin de compte. Mais là, m'a entendu, je sais pas quoi, une fois par mois, Rockstar, ça donne Banga les abonnés PS Plus, je sais pas combien, 1 million, non, qui est pas un truc comme ça, non? Ouais, mais le truc, c'est que quand. Okay. En fait, quand m'a reprend GTA 5 sur PS4, c'était au début de la PS4, et après, du coup, m'a arrêté, moi, en fin de compte. M'a pu toucher le jeu. Okay. Parce que j'étais tout seul, donc c'est à moi à rien, en fait. J'avoue. Quand Yola dit comment, Batman et Robin, les plus faciles. Oui, effectivement. On te croit, Caillou. Sachant que je dois ma fille tout seul et m'a pas besoin de personne de finir le jeu. Hein. Ouais. Ben, t'es, ben, les gars, franchement, c'est mis ça réfléchir à ça parce que, mais t'es connais pas moins que. Ou t'es peux jouer le même PS sur toutes les plateformes. Donc, ça prend la main à faire. Parce qu'en fin de compte, c'est le cloud, comme disait, c'est le cloud de Rockstar, il enregistre son personnage. Et il fait ça tout seul ou bien il faut ses moyens actifs, ça, le cloud sauvegarde là. Il fait tout seul ça? T'es, mais on comment il fait ça, moi? Parce qu'il me semble. Non, ils ont en fin de compte que Unena est personnage. Si, Unena est contre Roxan. Je pense. Qu'on soit sur le site de Rockstar, est-ce qu'on la mettre tout le monde, etc. Je connais que Mala Mina est contre social parce que nous l'a fait un espèce crew dans le jeu PS4. Ah, c'est sale table là. Ouais. Là, on est contre dessus. Ouais. Ben, oulala, Rhinocéros. Normalement, si vous l'enregistrez au même de VSO sur le PS4, etc., il va retrouver ton personnage en fait. Eh ben, les gars, mais ça gâte, alors. Bon, là, pourquoi GTA? Ok, Nairi de Sirode. Comment il appelle encore lui? Alors, là, après le crocodile, on affronte le rhinocéros. Et Moz. Allez, tiens. Tiens, fusil. Tiens, fusil. Eh, mais la question, si nous n'avons plus de vie, nous remontons depuis le début ou bien comment il se passe? 1, 2, 3, 4. Eh, ben, quand on tape à lui, il n'est pas tape à lui alors. 1, 2, 3, 4. Eh bah, ce que vous tapez au moment où le gars il attaque. Ah, oh putain. 1, 2, 3, 4. Oh, des fois qu'on tape. Bah, vous faites le train pour vous. Bah, vous le fight pour vous. T'es Dieu. Mais tape là. Reste n'importe quoi. Mais tape. Ah, bah, voilà, t'es. Bah, voilà, t'es. Bon, on va monter là. Il t'arrive pas où du tout, moi là. Il paraît pas, hein. On va monter là, hein. Bon. Mais j'espère quand même que si nous finissons le jeu là, nous va gagner une lance sur le version A4 parce que le version A4 la musique est meilleure. Même si c'est la même chose. Non, mais du tout. Du tout. C'est pas la même chose. Mais la com, ouais. Moi, elle est pas meilleure, en gros. Là, faut quand même. Déjà, là, faut quand même GTA en même temps. Là, pour jouer. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mais le GTA VR, en fait, il est impressionnant parce que à l'écran, il voit pas, en fait. Quand tu regardes. Ce que m'y voit à l'écran, là, tu vois pas la différence. Mais en fait, quand on a le cas sous tête, on voit tout le bon petit détail qu'il y en a dans le jeu là. Genre, t'es dans la chambre Franklin, mais t'es pas regardé son étagère, le bon photo de ça là. Et c'est des trucs que tu remarques pas quand t'es joué sur un écran en fait. Comme là, on a déjà essayé de jouer GTA 5, mais en first person. Oui, on m'a essayé, mais. Mais avec... Pas mais, bon détail là en fait. Mais en VL, c'est pas pareil parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans la case en fait. Malaranda à case Michael, mettez-vous la photo son mon papa, bah t'as comment, il me fait même pas compte avec ça avant. Après dans la voiture aussi les chouettes, mais les gars en moto, jouer en moto dans GTA en VR, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Bah, c'est peut-être une motion sickness. Non gars, il fait un bouton, il fait un bouton, je vais, et mais il est un peu résistant justement à tout ça. Et en fait, quand il doit là où la nausée là, c'est quand il est pas adapté vraiment à la VR. Et là c'est un mode.
C'est pas les gars que l'a fait le jeu, que la ADAP les a fait pour la VR. Là, c'est un train, j'en ai un gars l'a fait, ouais. Donc, en moto, c'est le seul train, mais il peut pas conduire longtemps parce que. Peut-être que le son et l'image déphasée, non quoi. Alors, à moi, il est Ninjaku Man, c'est-à-dire Mike, Michelangelo. Et Léo, c'est Virgil. C'est bon. Mais Macho Pagay, Flotte ni Batate, comme vous faites, hein. Ah les gars, c'est pas mon fait. T'es le bas animation. Le bas animation. Mais où on pense pas en même temps. Par contre, le bas animation, il fait planer. Hein, comme là, il crache de feu. Hein. Mais c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs jeux de Ninja. Et puis de pizza. Kouabanga, Kouabanga. Les gars, mettent la garde. Les gars, mettent la garde. C'est comme un Cabri même. Gata. Cabri Ninja. Ah, il allait tomber phare. Il allait tomber phare. Disons le dingue. Avant, en fait, c'est. Mais ouais, avant, c'est au top seulement, en fait. Le bon robot, connaissez qui dans l'univers d'Antinja, vous connaissez qui y invente les robots? Le robot nouveau, là. Je suis plus Ben Sarf, moi, t'as dit, hein, moi. Comment il appelle encore l'espèce d'affaire rose, les dents, un gros corps, là? Comment il appelle encore lui? Krang. Krang. Même. Krang, t'es fait rien, moi, qui était petit. Oh, le jeu est fidèle à l'anime. Surtout que Krang, l'inavent, tu vois, t'es fait trop planer en français. Naventiva français. Ah non, c'est la version SNES la bête. Je sais pas, j'ai pas joué à la version SNES. Allez chier. Je sais pas qu'il y a maintenant Super Nintendo. T'es caillou, là, tu vas aller chier. Le truc, c'est que Super Nintendo, c'est toujours la version d'origine. Ah, bien, j'ai la NM. Avec le Nintendo, gna gna gna. J'ai la NM, mec. Alors que le Super Nintendo est largement mieux. On sent les passionnés, là, la NM, mec. Pas. Ah, on dirait que vous l'avez trop entendu ça ou non? Eh ben. On a tellement en fait de jeux, les comment en fait? J'ai pas la version Super Nintendo, Mega Drive. Eh ben, pourquoi il putain de coupier? Eh, il bug quoi? Oh putain, non? Ben, regarde en ligne, gars! Il a pas sauté full hauteur. Ah ouais, ben, ah ouais, il rebombe! Et il en met toute vie! Je rebombe! Il continue à écrire tout de suite et filme mes affaires. Je rebombe! C'est vrai que je rebombe, j'avais pas vu. Ça casse la bonne case, comme les gars. C'est installé, on a fait cette case. Hein. Merci. On va aussi me faire un petit peu ça, gars. Tout habillon de lumière. Il joue pas longtemps, les dommages. Hein. Les dommages qu'on a pas de furie dedans le jeu. Genre, on lag un bébé d'attaque spéciale. C'est tout ce qui manque. Ouais, mais c'était les débuts de la Beat'em All, mon visuel. Parce que. C'est là où on a au compte que les jeux comme. On a vu, c'est simple en fait. C'est là où on a le compte que les jeux comme Street of Rage étaient puissants parce que. On avait plein de combinaisons. Plein de combos à faire, plein de combinaisons à faire. Et c'était un des. Maintenant, tu vraiment simplifié le truc pour les gamins. C'était un des points forts des jeux comme Street of Rage d'ailleurs. Mais j'ai quand même bien vu pour Beat'em All, mon gars. En tout cas, le truc, c'est que quand ça a fini le jeu là, et ben, ça te pousse les tressés. Et tiens, laser alors. Ah bon. Putain, m'avoue bien qu'il n'y a pas une fatigue le. Fatigue. Ça m'a... Il fatigue le plus. Ah, Magé Batatea. Magé Batatea. T'es le gars, prends mon pizza. Hein. T'es, m'avait 3 bas, on avait 4. T'as grillé. Non, Caillou, en fait, m'a laissé lancer le version A4. En fait, l'image que m'a la mettre, elle peut monter sur Facebook. Nous laisser lancer la version A4 là, mais il ne marche pas pour Virgil. Ouais. Il a un bug, il bug pour lui, donc. Du coup, nous la lance le Piston, il y a son Mega Drive. Mais Mina a la version A4. Hein. Et d'ailleurs, la version A4, le stage commence à pareil. On commence pas dans les égouts. Oula, Krillin. Alice, apparemment, c'est le maître de Shredder, mais il est pas sûr. Hein. C'est le maître de Shredder. Ça. Ça, c'est le maître, ça, c'est le disciple en fait. T'es le gros sommet tonton à moi. Netto de Rossomali. Les gars, mais j'aime Netto de Rossomali. Par contre, son fight est plus difficile parce qu'il faut approcher Alliance. C'est quoi l'itia là? C'est bonne couteau? Il dit pas pareil, c'est bonne. Bonne prix? Putain, bonne cigarette. Bonne cigarette? Bah, bien l'impression. Ah, Kaidjo fumé. C'est mon impression, quoi, mais qui est pas mal. Kaidjo fumé, tu là, il ramasse pas à monter, hein. Putain, mais il fait chier.
En plus, il y a un Voxbone soldat de merde là. C'est ça le plus difficile, c'est le bon soldat en fait. Allez, bah, allez, viens, allez, on couvre ta main. Mange de mon Nunjaku. Bon. Le truc en fait, c'est que Ouguer, quoi qu'il lance un truc, Ouguer renvoie, il est le truc sous tape bien. Ah ouais? Ah si. Ouais, ouais. Allez, renvoie pas, mais merde. Oui, mais faut bien taper. Ouais, il y en a un hitbox ici, tu vois. On essaie pas trop fidé parce qu'on m'a plutôt la vie, moi. T'es ou Ninax 5 continue, gars. Jouer ton jeu comme on joue aujourd'hui. Oh, mais genre, Mathieu, il est malin, raté un coup d'on. Alors, fini là, non? Mazo, comment ça va, Morgan? Le jeu n'est pas dur. Utilise ton bonne vie, s'il faut utiliser. Enfin, il y a un bisou, quoi. Il y a... Ah, la face plus, alors, ok. Comment ça va, Morgan? Es-tu fan des Tortues Ninja, Morgan? Connais-tu les Tortues Ninja? Ce qui veut dire quoi, Kuwabanga? Il y a une signification à Kuwabanga? Ok, putain. Mais il a l'impression il veut dire comment il est, non? Mickey, bah, on pose vraiment une question, on ne veut pas être en pas savoir. Bah alors, fais plus le fanboy, quoi! Fais plus le fanboy! Quand il disait SNES, il est avec la gueule de mon affaire. Bah, jamais il dit, il a été un super fanboy de Tortue Ninja! Et bah alors! Il dit juste ce que m'y connaît, hein! Ouais! Il a dit que, bien, je peux pas contredire Alice, donc il est avec lui! Bah, après, c'est ça, la passion, les gars, il protège son avis! Protège son avis. T'es à quoi ici ça t'es comment? Bonnes aliens là et... Ah moi le meilleur série Tortue Ninja que moi l'a aimé comme t'es petit c'est que t'es pas dans télé là. Pas bonne train comme là ouais, bonne peste Tortue Ninja en 3D dans comme là. Mais quand il passe il est belle hein, m'a pas gardé non plus, il me juge pas mais... Il est pas mal, il est pas mal. Mais la version 2D des années 90, tout comme le Spider-Man. Aïe aïe aïe, Crocodilia vient. C'est le mal, c'est... On n'a pas qu'à se tirer. Oh putain, on va prendre. Allez, monte. 1, 2, 3, 4. Putain, je suis tombé, on va pas sauter. T'es le fichier. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. En fait, ça rétape dessus en même temps. Faut taper N par N, sinon ça est... touche pas lui. Ouais. Chacun son tour limite. 1, 2, 3, 4. Je suis tombé. Bon, mais Michel arrive parce que Vitolini est gila. Bah, mis mon frère. Ah, bah, trop tard. Mais elle est quasiment en moi aussi. Alors, fanboy, il m'a fait. Mais son petit maillot. Le petit maillot fait planer. Le petit maillot fait planer. C'est le bon grand cuissard là, ça, quand t'es mettre. Donne ton. Crocodile. J'adore Tortue Ninja. Je suis un fan depuis gamin. La première fois que j'ai joué, c'était sur NES. Et le premier film de 90, je l'ai vu au cinéma. Ah ouais, carrément, t'as vu le film au cinéma? On refait les boss. Oh, hein. Où l'a joué le ouais, Beat'em All PS4. M'y connais pas si c'est le même caillou. Mais joué le dernier Tortue Ninja que m'a joué, c'était sur Xbox 360. Et il était joué à plusieurs aussi. Donc, est-ce que c'est le même jeu? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. Mais je savais pas moi qu'il y avait le film au cinéma. Enfin, c'est lequel? Moi, il me semble que ma vie sans cassette, toi, mais. Ah, c'est après, c'est possible. 4... Ma vie sans à la télé, mais bon. Le film bon, bon. Le film ouais, après, le bon film. Après, les films, ouais, les films, il y a plusieurs. Après, il faut savoir c'est lequel. Il a trois films. Eh, le gars, là, il pète un gilet jaune, ça, le gars. Vu comment le gars est équipé. Mette à les gilets jaunes là. Mette à les gilets jaunes là. Un instant, Boug, là, il fait pète la préfecture, hein. Mets vous là, gilet jaune là, les gars. Vite fait, bien fait, tiens. T'es là, les cons, ils coulent direct, même pas. Plein de chemin. Putain, là, m'a été touché. T'es. Oh putain. La fête en même temps. Va pas m'apprendre, Raphaël, là. Teste un coup, teste. Ah, mon bâton. Bâton touché. Le bâton, là, je crache. Arrête moi s'il te plaît. J'avoue. Le film les bons sérieux. Attends. Moyen. Le bon film les sérieux n'a plusieurs les années 90. Alors peut-être que ça essaye de récupérer alors si. Tu as trouvé sur le net ça non? T'as peut-être trop aussi. Tortue Ninja.
Si, non. Il fait. Je sais pas quand on a fait Donatello. ça. Mais m'a refermé la trilogie Totti Ninja en fait. Côté Marvel, c'était laquelle préférée? Si, gars. Tout le monde t'aime Mon bien, Dieu. tout le monde t'es kiffe ça qu'on avait Leonardo, parce qu'il y avait l'épée, parce que c'était le chef. Ouais, mon préféré c'est Leonardo, Et hein, en encore, t'es, bah, fait. nous on fait tous les boss en fait là. En même temps Ouais, mais bien, ça va t'apprendre. en même temps bien. C'est attends, c'est qui là Nunjaku? C'est Y'a que c'est Mikey avec Angelo. Michelangelo. En plus le gars fait planer dans le film, le dernier film là sorti là. Ouais. Le gars ça a été connu. Ben, c'est le comique de service, comme en vidéo, les logiques, quoi. Tu crèves pas. Et sort La ville là, en l'air, vas-y. hein, les 4 balles. Hein. Thomas Bia là. C'est Thomas ça. Bia. Thomas Bia là-bas. Tu fatigues, moi. Thomas cigarette là. Là, gadouba. Eh, il y a fume le joint, les gars, sont aux yeux comme un rouge. Il y a fume le mur. C'est Banti, cigarette le joint, il lance une noix. Hein. Touche à nous. Alors, se mange un peu. Oh putain, m'a recopé de la vie. Joli. Allez. Ah, il est éveillé, gars. Le dent, il est jaune. Brosse un peu le dent, là, donc. C'est lui fait planer, toujours plus déconner. On met les Black Shark. Comment ça va, Black Shark? Le requin Attends, noir. Black Shark, connais-tu, toi, tu voilà. déjà? C'est lui en fin de compte, c'est Stockman en fin de compte, la crée Mes souris vont le t'arrêter? bon Ah, c'est. Ah, ouais. bah le bon Ah, souris. c'est bonne souris, ça? Tu crois que c'est bon chien? Bah c'est bon. Pourquoi t'es bon chien, Non moi? c'est bon souris, On parle de Snoopy. Bonne Putain par Snoopy. contre allez les champs pour toucher mes autres de suite. T'es belle, bonnes affaires Pour sauter déjà. Attends, maman. Bah, là, les chasses quand même, il faudra nous tous les boss pour remettre Ali après. Non, c'est un peu mon coup de Bah pied, c'est toi, parce que tu. c'est l'avant-dernier stage en fait, c'est pour ça. Quoi, là, nous avons presque fini le jeu, là? Ouais, on a pas fini le jeu. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Ben, Le jeu est 21. pas long, ma fille Zo, c'est marié fini tout seul. Ma Pourquoi propre t'es. PS a dit le jeu. Pourquoi Le t'es. jeu est pas long, il est pas Pourquoi tué aussi, t'es. donc Ben, est-ce que Nel, toi, tu es déjà pu tester après, là, non? Bah lui il a le Total in Time, m'a jamais fini celle-là, mon con. Mal envoyé au celle-là, moi? Il connaît plus. Quatre Bah combinaisons voilà. de coups de pied, là, les gars. Quand j'étais le voir, c'était l'époque où il y avait encore Burger King en France, avant que ça disparaisse du paysage français. J'avais une montre Leonardo. C'est le premier Tortue Ninja que j'ai été voir au cinéma, et j'ai vu le deuxième plus tard, c'est sorti au cinéma aussi. Et ben, moi, comme tes petits m'avaient Splinter, Maître Splinter, c'est le rat, et m'avait Donatello, il croit, mais il y avait un football, celui-là. Il y avait un petit ballon football. Bah là t'aimes bien décliner des Tortues Ninja en plusieurs métiers avant, en figurine, parce que t'es vendu super bien. Et m'avait Putain, l'original. mais t'es rêve d'avoir le petit figurine Tortue Ninja là. Il croit qu'on avait un, mais moi, plus c'est lequel. M'avait un autre moi après. Mais m'avait Raph. Raffaello m'avait en version originale. Et à l'époque, t'écoutes pas cher. Ouais, à l'époque, t'écoutes Hein. pas Juste cher. pour dire ça les gars, mais casse pas ça les cuits, comme mais dans quoi un souvenir comme tes petits marmailles. Ça se rappelle quand on était à l'école, là, on a demandé de laver, bon, on a toujours peut-être lavé bonne KMS l'école, sur la fin d'année, Ouais. c'est genre on avait bonnes animations, bon trucs comme ça. Et mon pépé l'année sans moi, et tu connais bonne pêche, je vais y mettre la bonne moque en tôle, les sur un pyramide, il faut lancer avec un ballon de tennis pour faire tomber les affaires. Mais je, les gars, mon pépé la Ouais. baisse, un lancé, un seul lancé, hein, les affaires la pète en fleurs. La dame, elle trace un TV, mais elle a gagné le chevalier d'or du Capricorne. Et à l'époque, Putain, et les gars, fuck. à l'époque, t'écoutes pas chier les affaires. Hein? Et comme à la ronde, on a mis compte après du prix qu'ils t'écoutent, plus les années t'augmentent. Et comment. Mais je les gars, l'école avant, ben, le cadeau de l'école, là, c'était bonne ben affaire. Hein? C'était pas bonne ces affaires. Vous faites la pêche à la ligne, ou gagne deux stylos, ben truc comme ça. T'es gagné chevalier d'or, t'es gagné bonne ben affaires. Hein? Parce que l'époque, c'était l'époque du franc. Et à l'époque du franc, et ben les figurines, ça coûtait pas cher, les gars. Et Tortue Ninja comme autre chose. Ouais, et me rappelle mon. Mais qui c'était mon frère ou ouais, un camarade à moi. Le gars y a joué aussi. Et il y avait gagné. Je crois que c'était Poséidon. Soit Poséidon, soit c'était Shen. Je me rappelle plus. Parce qu'après, me rappelle, elle l'avait derrière moi après. Donc. Mais comptez ma maille, tu te rends pas au compte. Ou que bonne figurine là, ça coûte cher après. Les gars, un peu bonne KMS école. Allez mettre un chevalier du Capricorne. Et comme il dit chevalier d'or là, c'est pas le bon chevalier d'or. La toque, hein, c'est bon vrai chevalier d'or, hein, genre. Oui, c'est pas L'armure, le vrai ouais, c'est figurine. pas bonne Mais l'armure, le bon non. figurine, quand t'écoutes 100 francs, Ouais, parce que. c'est mytho, hein. Ouais, parce que avant, me rappelle que compter pour un chevalier de bronze, la mettait un peu en plastique. Et compter pour un chevalier d'or, le bon la mettait un peu plus. Comme une espèce de cuivre, en fait.
t'es un peu en fer, ou tu sens que c'était un chevalier d'or, t'es plus sérieux que un chevalier bronze. Et quand Magal le petit boîte m'a mis ça à la cale, t'es content. Mais bon, c'est un souvenir, m'oubliera pas ça par contre, parce que quand tu connais le prix, ce qu'il vaut maintenant. Ah frère, mais je regarde mon pépé, défait pépé, il avait baisse. Et me rappelle encore, il a pour les lents. Il a baisse un lancé, il a fait vol tout à terre. Toute maman était belle là. Bon, t'es pas encore là à l'époque, mais t'es debout, on a crié quoi. Après, me rappelle, tu reviens à l'école l'après-midi quand la fête est finie, ou le lendemain. Et comme t'es sur la fin d'année, ben t'es joué, t'es à prendre plus l'école, t'es ramené au bon jeu. Et nous t'es rejoué là-bas. Ça t'es qui aime cette école, les gars. Comme là, écoutez, vous faites pêche à la ligne, nous gagnez un stylo. Ah, c'est pas qui aime ça, mais ça va, c'est bon. Avant que t'es mec qui aime ça, où t'es apprendre une chorégraphie de danse côté l'école là, rappelle ça, où t'es maintenant de bonne, t'es fait bonne chorégraphie, ouais. C'est la fin. T'es chante, mais t'es danse. Après quand fille fait ton, quand la fille fait outil passage sur la scène là, où t'es gay, où t'es cadeau, où t'es apprécié. Voilà, t'es rentable, hein. T'es apprendre pas une chorégraphie pour rien. Comme là, il s'est déjà chanté, il a fait. Ah merde, mais congelé. Ah les gars, ah, putain, les années 90, ça... putain, les années 90 c'était un affaire ça les gars. Bon mais quand c'est comme un grand monde, mais franchement les gars, connu ça, ils avaient pas de Manon. Ils avaient pas de Manon les gars. Ils ont eu une enfance heureuse, ils ont connu ça. Ah oui, les années 90 les gars, ils ont eu la plus bête enfance. Franchement, hein, ils n'avaient peut-être pas toute la technologie que n'avait. Bon après les marrons parce que nos bonnes parents t'ont dit la même chose. T'ont dit que quand t'es petit, bah là t'es plus heureux que nous. Donc, nous répète ce que nos bons parents ils disent, mais... Les vrais les gars, nous préférons avoir grandi dans les années 90 que grandi cette époque là. Hein. Cette époque où tout est sur réseaux sociaux et patati et patata. Avant t'es trop bonne camarade dans le chemin, t'es ben allons faire ceci, on fait cela, comme là, tout petit baise au texto. Baise au. Hein, le connais ce que le bateau. Non, mais quand on a 2-3 ans, ça n'a un gars. Ouais, c'est un gars, mais quoi pas trop avec quoi. Le jour de mon anniversaire, le gars l'a écrit sur mon page Facebook HB. T'es là, get the land, oulala, oulala, pour la France écrit le phrase en tu sais quoi, HB, ben autant écrit pas rien, non, autant écrit pas rien, excusez-moi, hein, écrit pas rien, ouais, la, ça c'est la génération comme elle, excusez-moi, mais la sorte de mes gonds, la gagne si je mais, le jeu, là, l'avait autant fait rien, que n'est pas moi, comprends pas pourquoi de moon et... enfin voilà, bref, qu'ils deviennent pas une norme en tout cas. Bon après les vrais que avant m'avait bien aussi parce que m'avait bonne sortie que on était sorti, t'es bas acheté, t'es bas regarde magazine jeux vidéo. Parce qu'avant pour avoir les infos on n'avait pas le net. Il fallait regarder les magazines, ou bien la télé, dans les émissions. Bonne figurine n'est pas donnée, c'est 9. 100, attends, 100 euros les figurines VG et le caillot. Maintenant je pense dans certaines figurines les 100 euros. Mais mes parents à l'époque m'ont parti acheter un figurine ben, à Saint Seiya en fait. Et c'était 100 francs, mes parents. Mais après, il est vrai que la valeur. Mais même 100 francs, avant là, la valeur à l'argent, elle était tellement belle, les gars. Mais rappelle, avant, on était barre de bonté. Ou achou l'avait habillé 500 francs de poche là, t'es ben, où t'es un roi, frère. Ou t'es pas acheté ce que t'es veux. Ou t'es pas acheté la bouffe. Ou t'es peu manger ce que t'es veux. Jouer ce que t'es veux. Bombade, bonne arcade. Fais au bon cadeau, fais plaisir, bonne camarade. Fais plaisir, bonne de mon à côté où. On avait encore l'argent de poche côté en ton cas ce soir. Bon après 500 euros, c'est pas comme si m'a fait toucher 500 euros aussi, ouais. 500 euros, les dieux attrapés. Mais l'équivalent, les gars, 100 euros. Allez, d'a fait avec 100 euros, les gars, je fais pas de salin, hein, les autres. Hein. À la Krang. Et Krang pareil, Sibiakuma. Avec son Vanzel. Ça, ben, je pense que Vanzel a été inspiré par Ali, hein, mais il est possible. Ah, vous pensez Sibiakuma inspiré de quoi? Sibiakuma, c'est dans Street Fighter X-Men versus ouais. Marvel. Et Sibiakuma, c'était un boss que m'avait adoré. Parce qu'il était tellement... Non, c'était Marvel Street Fighter. C'était... Donc, non, c'était X-Men contre Street Fighter. Largement après, en fait. C'était... Il était apparaître après Apocalypse. Oui, mais c'est... le truc, c'est Marvel Street Fighter, c'est cinq, pas. C'est un coup de pied, ça. Franchement, le Sibiakuma, elle était tellement improbable que Maraki voit cela. En plus, il était chiant. Le gars t'es intuable, moi même pas game, jamais gay chalier d'ailleurs. Si ma gay chalier, il était bombard boule, ce bad boule d'aller. Et quand le gars t'es l'axe racine des monts là, Là t'es sérieux. Ah, c'est Marvel Street Fighter Caillou de moi. Arrête de bouger Krang. Reste sur place. Krang dans la zèle il bouge pas. Dans la zèle il bouge pas alors. Dans la zèle il bouge pas alors. Il tape d'une vie depuis tout à l'heure.
Cyber Akum. Et me rappelle justement, mettez pas des autres comme à mettez pas un bon magazine avant de magasin. Mais Mirabel m'a pas mettez au rôle comment débloque le Cyber Akuma et me crois mal avait gagné après dans un magazine t'explique comment t'es débloqué. Me rappelle plus comment m'a fait en tout cas. Bon, on a fini le jeu ou pas là? Non. Non, pas ça. Shinku, Hadouken. T'étais un peu petit, j'ai 5 Street Fighter. Le Band Fury était trop dangereux. Shinku, le boss c'était le Racing Démon. Hadouken. Le Racing Démon, quand tu maîtrises ça là, t'es violent. Attends, en plus, il était barré vite parce que comme t'as la Star Six Men, il te traverse l'écran direct que t'es trapeau. Avec le gros signe chinois, t'as barré de temps. Après les X-Men Street Fighter, le PSO Mikwa mina Kamara, le gars t'es joué Yen Gambit avec Gambit en forme. Le gars t'es fait combinaison où t'es peux prendre deux personnages ça, fait bonne Fury. Le gars t'es prend Gambit avec Cyclope. Comment Cyclope il a son gros rayon. Il a son gros rayon et Gambit il enchaîne sur bonnes affaires. Il est pas mal comme combinaison. Sinon c'était Cyclope, Cyclope Wolverine ou Cyclope Ken. Avec son Shoryu Repa. Nous allons remarquer que dans tous les jeux, tous les beats and balls, on a toujours un passage d'ascenseur, les gars. Tous les beats and balls nous jouer, que ce soit... C'est exactement ce qu'on a dit en fin de compte, dernier coup. C'est ça, que ce soit... C'est la même chose. Que ce soit... Alien Predator, tout ce qu'on a joué, on a toujours un passage dans les... Bon là l'avantage c'est qu'on n'a pas eu un passage dans les airs. Nous l'a été sur la mer, avec des skateboards. Mais on a toujours un passage dans les airs et on a toujours un ascenseur. Après, pour un scroller, il faut que les normales, après qu'on a des passages, après, des scales, et après, les horizontales. Après, pour un jeu en 2D, pour varier, on n'a pas trop de limites, quoi. On l'a un peu limité aussi, comparé à un jeu en 3D. Bah oui. C'est ça. C'est un passage obligé des beat'em all. Ah bah oui. Shredder, au début, qu'on connaît pas, c'est un medley. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi Shredder, c'est un medley? Vous savez que t'es tassement égalant. Ah, essayé. Et encore, mais un peu plus trop bien comme un Langatali, donc. Ah, il essayé dans le jeu? Ça va être comme ça. Le gars est fort, le gars est chiant. Mais un peu qu'on connaît le manier de bataille là, il est facile à tuer. Ah mais comme on l'a fini le jeu, c'est pas un problème. Comme on l'a fini le jeu, c'est pas un problème. Bataille contre en fait. Mais j'y connais même lui, il a fini le jeu. Ah moi pour faire mes jeux là. On aurait dû finir le jeu peut-être 3 ou 4 fois, je crois. Durant mon. Ben jusqu'à maintenant en fait. Mais en plus là, avec les décors, avec les. Ah les dessins que Nana dans Street of Rage 4. La manière fait un Tortue Ninja 2D propre, hein. Ce serait puissant. Hein. En plus, c'est Tortue Ninja, c'est Tortue Ninja. La manière de refaire tous les remakes comme Street of Rage 4, c'est la manière, mais il faut que Moon, il veut. Tortue Ninja, en plus, c'est un univers à plein de couleurs dedans. Donc, il peut faire des super. Il peut faire un super truc, quoi. D'ailleurs, m'avait entendu un truc, moi. Mais connais pas si. Où l'a vu ça? On a un. Mais connais pas si dans quelle série. Mais dans un Tortue Ninja, c'est un Tantine. Dans un 5ème, c'est un Tantine. Mais je crois que c'est dans le dernier la sortie, quoi. Ben non, mais c'est quoi de la série de la dernière Tortue Ninja la sortie, mais c'est que le série en 3D. Le série en 3D là. Ah, mais non, c'est un comic ça, micro, non. Ah, ok, pas, mais mal à vue que dans un Tortue Ninja, les gars, c'est un Tantine. Mais c'est un 5ème Tortue Ninja et c'est un Tantine. Ouais, je crois que c'est soit la série, soit le comics. Voilà, mais il connaît pas comment le. C'est quoi son histoire? Comment il peut avoir un 5ème Tortue en fille? Non, mais son histoire elle est bizarre, elle est pas. C'est pas un truc canon, genre. À la base, c'était. Enfin, peut-être c'était une humaine aussi avant, et puis il a fait une expérience, qui est pas un truc commun, mais. Mais là, jamais vu le temps, en tout cas, dans. Oh, prépare ouais, à affronter Super Shredder. Oh, Shredder. Shredder, Macho, tu vas être stylé. Non, comment il est stylé? Shredder, Super Shredder. Ah, ok, Super Shredder. Ce qu'il a fait, il a propre photo. Et on dirait. Oui. On dirait couleur. Écoute la musique Marmaï, la meilleure musique du jeu c'est ça. Quand Kayo dit Marmaï là, c'est qu'il a conseillé. Aïe. Ah putain, Alex sont là, ils sont sous le rat de miel là. Faut pas mis là. Mi-présent, ah putain, le feu. Mi-présent. On a pas trop d'élire là. T'as donné deux, t'es même donné deux le gars, la rapidité hein. Ah, et c'est Super Shredder, maman, il est normal. Et Super Shredder, il était dans l'anime, lui. Mais je crois qu'il y a eu un passage, mais qui est passé quel épisode? Il doit être un vieux épisode, c'est. Enfin,
un épisode vraiment dans le temps en fait. Putain, mais il fait chier que ce sponsor a vraiment. C'est le bon aura en fin de compte, il en regarde le gars plus. Faut attendre la fin de l'attaque, quoi, l'attaque allez. Mais Alibar a vite. Et encore, là, il est juste que de l'attaque, il est 3ème. Mais que quoi, il est juste pas le 3ème en fait. Parce que mais il a ça, mais il est timide à il. Mais il est timide à il reste pas. S'ils activaient la technique. Enfin, pardon, tu sais, tu es allé avant la faire. Non, mais ça, tu es allé, c'est pas un souci ça. Juste qu'il est placé bien sur l'écran parce que là, putain, mais. Non. Il est chiant par contre, du vrai. Peut-être faut sauter un coup de son galon. Non, non, voilà. Là, il utilise le troisième en fait. Le troisième, c'est la glace en c'est fait. C'est quand il utilise la glace, faut taper alors. Ah, même pas. Il peut taper les griettes pendant deux quand il fait le verre et le feu. Non, le verre et la glace en fait. Ok. Le feu, faut pas zélier, lui, en fait, pas attaquer lui. Parce que ah c'est ouais, là, il tire en l'air tout à l'heure. Là, ouais. Il tire en l'air tout à l'heure. Ouais, les visons diagonales, il est tranquille en fait. Il empêche de sauter, c'est un entier. Mais quand nous tape en même temps là, mais touche à lui là parce qu'il me donne la potion. Oh putain de merde. Ah salope. Et ma... Normalement quand il touche en haut là, avec le boule vert, il y a un marche mon... transforme en petite tortue. Il y a marche, il y a marche mon pied. En petite tortue mais, ouais, micro. Si je me rappelle bien, je ne suis pas sûr. Le gars met la garde encore. Mette-le par la garde, chef. Mette pas la garde. Allez. Fini ah bah voilà, il a fini le jeu. Bah oui bah. Mazumi a fini le jeu tout seul, gars. Alors, Caillou, l'acte technique avec Kunawa, c'est quoi là? Caillou l'a dit nana technique. Caillou le spécialiste. Envoyé. Allez, la foot donne fond. La foot donne fond, la crase à tête. Il y a pire de bonne piston. Il y a 3. Si vous avez envie de super shredder, c'est parce qu'il y a absolument le bonne piston en fait. Est-ce qu'on peut rappeler à moi l'histoire des piston du coup? Ouh, regarde Splinter. Splinter va taper les fesses, son yeux un petit peu bizarre. Putain, la fumée, les gars, ça. Je comprends pas que c'est arrivé. April! Peut-être c'est April le 5ème Tortue Ninja? Je ne pense pas. Niquez pas. Alors, c'est quoi la technique, Kayo? Il attend toujours. Alors, vous souhaitez une bonne nuit. Donc, si nous lance le mode arcade. La musique est fidèle à l'anime. Là, si nous lance le mode arcade. La musique est trop fidèle à l'anime. Ce sera pareil si nous lance le mode arcade, là, du coup. Attends, m'y regarder avec aussi d'un point et un autre. Bon alors. Attends, m'y regarder avec vous. Je vous dis ça, les copains. Je vous dis ça, les copains. Parce que dans le temps, fait un autre, hein, il est même pas 7 heures. Largement. Donc, ça a rien de faire le version arcade alors, c'est le même jeu. Je veux dire, moi, je sais pas le arcade. Hein. Non, comme Adzo, chaque plateforme là, avait son version, mais c'est normalement c'est le même jeu parce que ouais c'est le même sprite, ouais c'est le même truc en fait. Okay. C'est juste que la plateforme où il y a parti dessus, ben là elle change entre les affaires pour que ce soit une version unique à la plateforme. Alors, c'est juste ça en fait. Caillou l'a dit, il faut jamais rester à côté de lui, toujours à bonne distance. Après sa transformation, il lance son attaque, faut anticiper, sauter. Attends, Millie avait le gros, mais pas ce que va aller. Faut jamais rester à côté de lui. Toujours à bonne distance, après transformation, il lance son attaque. Faut anticiper, sauter avant, sauter en avant et poire son marraine. Ok, d'accord. J'ai bien avancé que ça. Il est impossible de faire avec le feu parce que le feu c'est un traîné, il reste en fait. Mais il entend, oui, de toute façon. Alors, bah, les gars, on peut faire notre jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dis ce qu'on a. Alors, dans ma boîte à Père Noël, J'ai World of Illusion starring Mickey et Donald. J'ai Son Goku. J'ai Golden Axe. J'ai Final Fight et Batman Forever. Alors, ce qu'on a là-dedans, Mister. Un jeu dur que m'a jamais fini, mais c'est Batman Forever. Vous êtes à ce Batman Forever, bien sûr. Ouais. Bon, les gars. M'a jamais fini le jeu. Ah, tout seul, t'es trop de jeu donc. Ok, ben les gars, m'y coupe le live à l'instant. Et nous revient dans 5-10 minutes chez Batman Forever. Voilà. Allez, nous retrouvons dans l'instant, les copains. Et ben, dans l'instant avec un jeu super dur que nous n'avons pas fini, c'est sûr. Mais bon. Allez, nous revient.